finis à l'école numérique et machinane. Maintenant, nous avons mathématiques opération. Observez ce que j'ai en main. Vous allez constater que je tiens les couleurs. Je vais compter les couleurs que je tiens en main. Une couleur, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs, six couleurs, sept couleurs, huit couleurs, neuf couleurs, dix couleurs. Maintenant, je prends combien? Je prends 5 couleurs, je donne à l'ami ici. 5 couleurs, je donne à Safi. 5 couleurs, j'ai donné à Sifa. 5 couleurs, je viens de donner à Safi. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de diviser. C'est-à-dire aujourd'hui, tout de suite, en mathématiques opération, nous voulons apprendre la division des nombres compris entre 0 et 20. La division des nombres compris entre 0 et 20. Première activité, nous allons lire les questions mises au tableau. Nous avons première question, 12 divisé par... Nous avons première question, 18 divisé par 3 égale combien? Deuxième question, 12 divisé par 4 égale combien? Troisième question, 10 divisé par 2 égale combien? Quatrième question, 20 divisé par 5 égale combien? Cinquième question, 14 divisé par 2 égale combien? Deuxième activité, nous allons passer à la résolution des exercices. C'est ça le signe de division. Le signe de division est là. Le signe de division. Maintenant, première question, nous avons 18 divisé par 3. Comment nous allons résoudre les exercices qui sont au tableau? Nous allons dessiner les bonhommes. Nous allons dessiner combien de bonhommes? Si vous voyez l'exercice là, on a mis les signes de division. Vous allez prendre les second nombres ici, les deuxième nombres. Les nombres, soit les chiffres qui se trouvent à droite. C'est quoi qui se trouve à droite? C'est-à-dire que nous allons dessiner trois bonhommes. Je dessine un bonhomme. Deux bonhommes et trois bonhommes. 18, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer 18 boules. Je distribue 18 boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules, onze boules, douze boules, treize boules, quatorze boules, quinze boules, seize boules, dix-sept boules, dix-huit boules. Qu'est-ce que je fais? Je compte la part de chacun. Je vais compter la part de chacun. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, cinq boules, six boules. La réponse est 6. 18 divisé par 3 égale 6. Deuxième question, 12 divisé par 4. Les chiffres qui se trouvent à droite, c'est 4. Je compte 4 bonhommes. Je vais dessiner d'abord 4 bonhommes. Je dessine un bonhomme, deux bonhommes, trois bonhommes, quatre bonhommes. Je distribue combien de boules? Je distribue 12 boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules, onze boules, douze boules. Je vais compter la part de chacun. Je compte la part de chacun. Une boule, deux boules, trois boules. 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 La réponse est 3. 12 divisé par 4 égale 3. Troisième question, 10 divisé par 2 égale combien? Je compte 2 boules. Nous allons travailler ensemble. Nous allons compter combien de bonhommes? Nous allons dessiner 2 bonhommes. Nous allons dessiner 2 bonhommes. Un bonhomme, deux bonhommes. Nous allons distribuer combien de boules? Nous distribuerons 10 boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules, six boules, sept boules, huit boules, neuf boules, dix boules. J'ai
Je compte la part de chacun. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules. Une boule, deux boules, trois boules, quatre boules, cinq boules. La réponse est 5. Parce que chaque bonhomme a trouvé au moins 5 boules. Maintenant, nous venons d'apprendre la division des deux nombres compris entre 0 et 20. Nous allons faire la lecture. Première question, 18 divisé par 3 égale 6. Deuxième question, 12 divisé par 4 égale 3. Troisième question, 10 divisé par 2 égale 5. Comme dernière activité, vous allez travailler la 4e et 5e question dans vos cahiers au domicile. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.